بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous nous intéresserons aujourd'hui à une perle de sagesse d'Ibn Taymiyyah رحمة الله عليه qui disait ذكر الله تعالى في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل. Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans son livre saint, dans le Coran, le bel éloignement, le beau pardon et la belle patience. Puis il va détailler ce qu'il dit. قال الهجر الجميل هو هجر بلا أذى. Le bel éloignement est un éloignement sans préjudice. Et là, il va se référer au Coran, au verset 10 de Sourat al-Muzammil qui dit, et là c'est Dieu qui s'adresse à son messager alayhi salatu salam, وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهَجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. Endure ce qu'ils disent et écarte-toi d'eux d'une façon convenable. Ensuite Ibn Taymiyyah nous dit وَصَفْحُ الْجَمِيلُ صَفْحٌ بِلَا عِتَابٍ. Le beau pardon est un pardon qui se fait sans reproche. Et là il cite le verset 85 de Sourat al-Hijr qui dit Dieu s'adresse à toute l'humanité ou à des gens qui sont doués d'intelligence ou qui seraient amenés à faire usage de leur raison. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. Et nous n'avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux, qu'en toute justice ou pour une juste raison et l'heure dernière. Sans doute arrivera. Pardonne-leur donc d'un beau pardon. Ensuite, il parle de la belle patience. Il dit وَصَبْرُ الْجَمِيلُ صَبْرٌ بِلَا شَكْوَى. Et la belle patience est une patience sans complainte. Et là, il cite le verset 5 de Sourate Al-Ma'arij où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son messager et dit فَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا. Supporte donc d'une belle patience. Quand on s'intéresse au récit des prophètes, on va remarquer qu'ils ont englobé ces trois choses en eux. Le bel éloignement. Et là, attention, quand on parle de l'hajr, malheureusement, contrairement à ce qui était l'attitude des prophètes, Nous avons vu l'émergence ces deux, trois dernières décennies d'un groupe de gens qui se sont affublés d'une appellation qui les dépasse de loin, Al-Firqatun Najiya, le groupe du salut, ou le groupe qui va connaître fatalement et forcément le salut. Et ces gens-là, au lieu d'appeler au sentier de Dieu, ont choisi le chemin le plus court, le plus facile. Allez, quiconque ne réfléchit pas comme nous, nous allons le mettre en quarantaine. L'hajr. Et quel hajr ? C'est même pas un bel éloignement. À la limite, vous vous seriez retiré des gens en vivant votre religiosité comme vous l'entendez et en gardant un minimum de correction avec les autres, comme c'était le cas chez les premiers musulmans, ça aurait été acceptable. Mais non, il y a eu un hajr, donc une mise en quarantaine, et qui n'était pas du tout beau, dans la mesure où ces gens-là se sont donné le droit de médire même de ceux qui ne réfléchissent pas comme eux. Et le problème est que, comme je le disais à l'instant, les prophètes n'ont pas agi de la sorte. Et ces mêmes personnes vont justement puiser dans la tradition prophétique quelque chose ou des faits avec lesquels ils vont argumenter. Ou essayer de faire admettre leur comportement. Quand il y a eu la bataille de Tabouk, trois compagnons n'ont pas assisté à cette bataille. Parmi eux, Ka'b ibn Malik, il a été happé par ses affaires, par sa fortune. Il était très occupé au point où il a carrément au début, c'était une forme de laxisme. Ensuite, il s'est dit, les musulmans ont tellement pris d'avance sur moi que je ne les rattraperai plus jamais. Et la bataille de Tabouk était une bataille très, très importante. C'était la première confrontation avec les Byzantins.
Et c'est une bataille qui est survenue à un moment où les musulmans, sur le plan financier et économique, étaient au plus bas. Donc, on avait besoin de tous les efforts. Quand le messager de Dieu, alayhi est revenu victorieux de cette bataille, Ka'b ibn Malik et deux autres compagnons n'ont pas fait partie des hypocrites qui sont allés jurer au messager de Dieu qu'ils avaient eu des empêchements d'ordre physique. J'étais mal en point au messager de Dieu, j'étais malade, j'ai pas trouvé de monture. Non, ils n'ont pas menti. Ils sont allés dire au messager de Dieu qu'il ne l'avait pas rejoint par laxisme, tout simplement. C'était une erreur. Et le messager de Dieu, alayhi, les a mis en quarantaine pendant une période assez conséquente. Alors, beaucoup de savants ont dit que voilà, quand quelqu'un dévie de ce qui est souhaité en religion, il est vrai que ces trois compagnons ont été mis en quarantaine. Mais attention, ils sont dans une société que nous pourrions qualifier d'idéale, religieusement parlant, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc cette idée de hajr, de mise en quarantaine, elle n'a pas du tout sa place dans la religion musulmane. Et quand bien même elle aurait sa place, elle devrait se faire sans préjudice, contrairement à ce que font certaines personnes qui nous ont ramené ici dans notre pays un état d'esprit qui n'est pas du tout le nôtre. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.